Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo haul action. Je suis allée tout à l'heure avec ma fille, je voulais retourner, j'y suis allée la semaine dernière et j'ai acheté cette chose magnifique. C'est une petite boîte pour les mouchoirs et elle est trop belle. J'y suis allée parce que je voulais la racheter et j'ai oublié, voilà. Et j'y suis allée aussi parce que la semaine dernière, encore une glace, mais elle est trop belle, elle est trop belle, vous voyez, elle est immense, elle est super belle, voilà, et elle coûtait 30 euros, j'y suis allée vendredi et j'ai dit non, je vais pas la prendre parce que j'en ai des glaces dans ma chambre, mais j'ai tellement regretté, j'ai dit elle est trop belle, bon, que je vais me débrouiller, je la mettrai dans ma chambre. Elle est super belle, voilà, et en plus elle va vraiment bien avec la boîte. Donc, je vais retourner demain pour essayer de retrouver une autre boîte. Alors, ma fille voulait acheter des petits... c'est pour des bougies parfum. C'était des diffuseurs de parfum. Je ne connais pas, je n'ai jamais senti. Mais en tout cas, c'est super joli. Je me suis acheté, parce que là, j'en peux plus. On a des mouches partout dans la maison, mais c'est une catastrophe, et comme tous les ans de toute façon. Et donc là, alors je vais vous montrer ça. Par contre, sur Amazon, ce matin, j'en ai commandé un électrique, un gros par contre. Et je le recevrai mercredi, je le mettrai dans le salon parce que là, c'est insupportable. Et celui-là, ce sera pour ma chambre. Et s'il marche bien, j'en achèterai d'autres. Petit comme ça pour en haut. Alors, ça se présente comme ça. Ouais, ça se présente comme ça. En plus, c'est pas moche. Hein. Et il y a une prise électrique. Et ça coûtait 10 euros, dans les 10 euros. Donc, si ça marche, j'en rachèterai un autre. J'ai pris des petites soquettes comme ça pour mettre dans les... Enfin, ça, c'est pour ma fille. J'ai... Ça, c'est pas moi. Ça, c'est ma fille. Elle m'a dit, pour une fois, on peut acheter des bonbons. Elle m'a dit, parce que j'achète jamais de bonbons. Je n'achète jamais de gâteaux. Depuis des années, hein, vous me connaissez, j'en achète jamais. Sauf que là, elle en voulait. Donc, elle s'en est pris. J'ai repris des chaussettes pour mon fils, deux paires. J'en ai pris deux paquets comme ça. J'ai pris des chaussettes aussi pour ma fille, des comme ça et des comme ça. Elles ne sont pas très chères, hein. Au niveau des prix, le prix est vraiment intéressant. Donc, voilà, deux paires de chaussettes. J'ai pris un autre diffuseur. Enfin, électrique. Ah, c'est avec une prise comme ça. Pour mettre dans la chambre. Ça, c'est pour la chambre de ma fille. Et si ça marche pas, celui-là ne coûtait pas très cher. Il était dans les 3 euros. Et celui-là coûtait 10 euros. Si ça marche pas, je lui en achèterai une autre comme la mienne. Voilà. J'ai repris des petites soquettes comme ça, là, pour ma fille, toujours. J'ai repris des petites soquettes comme ça, mais celle-là, vous voyez, c'est pour mettre dans les baskets, ça, c'est pour moi, ça. Pour les baskets ou les petites... ouais, les baskets, vous voyez. Couleur chair. Ça, c'est une petite... Alors, elle sent très bon. Je ne sais pas ce que ça sent, j'ai jamais acheté de bougie chez Action. Mais ça, c'est bon, c'est toujours ma fille qui l'a acheté. Et elle sent très bon. Elle est au Magnolia. Et l'odeur est très agréable. Donc, je sais pas. Elle me le dira. Et si ça sent bon, j'en achèterai. Encore des petites soquettes. Et ça, c'est les chaussettes de mon fils. Voilà. Je l'en prends tout le temps parce que... je sais pas chez vous, mais moi, les chaussettes, on a du mal à les retrouver. Donc du coup, ben, régulièrement, j'en reprends pour les enfants. Voilà. J'ai flashé. Ça coûtait 1 euro. Ça, c'est pour Jane. Et ça, c'est pour Kaku. Voilà, c'est trop mignon.
Il y en avait que deux et je les ai trouvés trop mignons. Donc ce sera leur petite gamelle pour. Je vais leur mettre leur petite croquette dedans. C'est trop mignon, j'adore. Franchement, voilà. Donc j'ai trouvé ça trop beau. Voilà. J'ai repris encore une fois ces petites choses-là. Je les mets dans mon frigo. J'en ai mis avec. J'en ai déjà mis deux pour mettre mes soins. Mais j'en rachète d'autres parce que franchement, c'est hyper pratique de ranger dans le frigo les yaourts ou les sauces, ce qu'on veut. Et je trouve que c'est propre. Et quand on l'enlève, c'est plus facile à nettoyer dessous. Donc j'en ai repris un autre. Et je reprendrai à chaque fois. Elles sont vachement jolies en plus. Je trouve ça très joli. Donc à chaque fois, j'en ai trois là. J'aime beaucoup ces produits-là. J'ai repris des petites. Des gants. C'est pour me faire mes couleurs. À chaque fois que je fais. Mais vous savez, quand on fait nos couleurs, il y a des gants dans les paquets. Mais ils sont trop grands et j'aime pas. Je suis pas bien dedans. Du coup, j'aime bien acheter des gants comme ça pour les couleurs. Voilà. Ça, c'est encore à ma fille, une autre bougie. Cette fois, ça sent en coton. Elle est très jolie. Elle sent très bon aussi. À voir allumé, je ne sais pas ce que ça donne, mais là, ça sent très très bon. Voilà. Ah oui, et à chaque fois, j'y vais et je voulais essayer de retrouver des petits paquets comme ça, là. Et là, il y en avait... Ça coûtait 90 centimes, c'est ça, voyez. J'adore, mais je vais vous montrer autre chose, bougez pas. Alors, j'ai commandé sur Amazon, je voulais acheter des petites éponges comme ça. Je les ai commandées il y a un mois, je les ai reçues la semaine dernière, mais j'ai pas fait attention, j'en ai commandé 50. J'ai tout reçu au bout d'un mois, mais il y en a 50 dedans. J'ai payé ça dans les 7 euros, je crois. Je vous mettrai le lien du produit. Il ne faut pas être pressé pour le recevoir. Mais par contre, ce sont des éponges qui sont réutilisables. Elles se présentent comme ça. Et ça, pour nettoyer le visage, pour se démaquiller, c'est très, très, très doux. J'adore, franchement. Et donc, ceux-là, je m'en suis déjà servi et je les ai lavés. Mais j'en ai commandé 50, vous voyez. Il y en a partout. Et j'adore ces éponges pour nettoyer le visage. Voilà. Donc, ça, je vous les conseille vraiment. C'est vraiment... Donc, 8,50 € éponges, ça vaut vraiment le coup. Là, j'en ai pour un bon moment. Hein. J'en ai pour toute une vie. Voilà, mais sinon, j'aime bien aussi ces petits produits pour se nettoyer le visage. C'est super doux, je vais les laver. Et ça coûte 90 centimes. Il y en a dans les grandes surfaces qui sont beaucoup plus chères. Ça ne vaut pas le coup de mettre plus. Franchement, c'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup ces produits aussi. Voilà, donc j'en ai pris 3 paquets. J'en ai pris 3 paquets. Voilà, et puis, je me suis pris aussi des petits... Ça, c'est un petit paquet d'encens. J'aime beaucoup l'encens. Je trouve que les paquets sont super jolis. Donc, je vais en mettre en haut, dans ma pièce, dans mes chambres. Voilà. Les paquets sont super jolis. Il y en a 4 dedans. Voilà. Ça sent... J'adore ces odeurs. Je trouve que ça sent trop, trop bon. C'est un pur bonheur. J'adore ces odeurs. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, pour... Ah oui! Un sécateur, je me suis pris un sécateur aussi parce que j'ai mes rosiers, là je voudrais les tailler parce que j'ai plein de fleurs qui sont fanées et je voudrais les tailler et mes sécateurs sont tous rouillés. Donc je voulais un autre sécateur. Voilà. Et en plus j'ai plein de lavandes, je voudrais aussi couper les lavandes pour en faire un gros bouquet. Voilà, donc il me fallait un sécateur. Et puis, c'est encore une fois ma fille qui s'est... acheter des petits mélanges d'apéritifs. On trouve ça dans les magasins indiens. C'est super bon. Bon, moi, je ne mange pas parce que sinon, si je tombe dedans, après, c'est foutu, je mange le paquet. Donc, je ne mange pas. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour mes achats.
Avec les produits de ma fille, on en a eu pour 90 euros. La glace coûtait 30 euros, donc voilà, on a pris pas mal de choses quand même. Et ben, je suis contente, j'espère que ça, par contre, j'espère que ça va marcher. Je vais le mettre dans ma chambre, je vais essayer tout de suite. Voilà. Ben, je vous fais des gros bisous et puis je vous embrasse et puis je vous dis à plus tard. Voilà, je vous montre la glace accrochée, voyez. Je trouve qu'elle va très très bien à celle-là, celles qui sont sur le côté, là, voyez. Je les ai achetées chez Maison du Monde. Et celle-là, je l'ai achetée donc chez Action. Celle-là coûtait 60 euros la glace et celle-là 30 euros. Donc franchement, voilà. Et ça va bien aussi avec mes petites tables de chevet. Je me suis fait un petit bouquet hier soir de lavande que j'ai récupéré dans mon jardin hier. Je vais en faire un deuxième et j'adore, je trouve ça trop mignon. Et je voulais vous montrer aussi, vous voyez, la petite lampe. Je l'ai mise hier ici. Écoutez, je ne sais pas si ça fait un effet, j'en sais rien. Je vous en reparlerai plus tard. Et je vous montre aussi, donc ça c'est ma petite glace que j'ai reçue en partenariat de la marque Curan Beauté, que j'adore. Et là, la petite boîte, j'ai mon vernis qui n'est pas sec, voilà. Ma petite boîte, bon ça se ferme, hein. C'est juste que j'ai pas fermé le truc, voilà. Et cet après-midi, je vais alors acheter une autre. Je l'aime beaucoup cette boîte, j'aimerais bien en avoir une deuxième. Voilà, bah, je vous laisse parce que j'ai mon mari qui est en train de m'appeler là. Il est parti se faire son vaccin du Covid. Et la deuxième, ma fille l'a mis dans la cuisine. Donc je pense que si elle l'a mis, c'est parce que... Alors je vois sur le mien là, ah ça marche, il y a une mouche là-dessous. Je sais pas si vous voyez, il y a une mouche dedans. Celle qui est dans ma chambre, en fait, elle fait vraiment du bruit. Ça fait pas mal de bruit. Ça fait comme le bruit d'un ventilateur, vous voyez. Donc, c'est pas très agréable. Et ben, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Je pense. Demain, je vous montrerai le tue-mouche que j'ai acheté sur Amazon. Normalement, je devrais le recevoir demain. Donc, je vous montrerai demain. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. À plus tard. Coucou, alors je suis retournée chez Action et j'ai réussi à trouver encore des coussins, je sais, mais ils avaient l'air, en plus ils sont enveloppés comme ça, mais ils avaient l'air trop beaux, ça. Et j'y suis retournée pour acheter les boîtes, je vais vous montrer, il y en avait d'autres, donc je suis contente. Sont très jolis. Ah, j'adore. Voilà. Bon, c'est là, je vais les laisser ici, par contre. Voilà, j'en ai pris deux. Voilà, et hop, je vais les laisser là. Dans ma pièce. Et comme j'ai deux fauteuils, j'en ai pris deux. C'est les deux mêmes. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup. Ils sont sobres, beige et très jolis. Tout va très bien. Voilà, donc j'ai repris deux petites boîtes comme ça, puisque ma fille en voulait une, et j'en ai pris une pour mon mari. Comme ça, on a chacun une boîte à côté de notre lit. C'est super. Voilà. J'ai pris des chauffe-plats, mais des gros pour les bougies. Je ne suis pas sûre de comprendre. Voilà, j'ai pris des gros chauffe-plats. Et j'ai pris... un plat en verre comme ça. J'ai la famille de mon mari qui, en fait, tous les 14 juillet, c'est l'anniversaire de, enfin, c'était l'anniversaire de ma belle-mère. Et on a décidé de, bon là, ça va pas se faire le 14 juillet. Au mois de juillet, fin juillet, on va manger tous ensemble. On a invité toute la famille de mon mari pour l'anniversaire de ma belle-mère. Voilà. Et je vais faire des tartes, je vais faire... Donc, je voulais un autre plat pour pouvoir faire d'autres tartes. Il est en verre, c'est parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté, enfin. Donc, demain, je vous montrerai, ce que j'ai reçu, enfin, ce que j'ai commandé d'Amazon, là, pour les moustiques. Et puis, comme ça, après, on terminera ma vidéo. Je terminerai ma vidéo demain. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Voilà. La petite boîte, la petite lavande. Et je vais couper encore de la lavande
Genre, de toute façon, je vais tout couper et je vais faire plein de bouquets en fait pour la maison. Voilà. Mais j'aime beaucoup de toute façon tout ce qui est oriental, donc j'adore. J'adore. Je vous laisse, je peux vous dire que j'en ai des glaces dans ma chambre. Je vous laisse et je vous dis, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais faire, mon mari a envie que je lui fasse du riz, oui, du riz au lait. Donc je vais faire du riz au lait pour mon mari. Allez, bisous et puis bonne soirée. Au revoir. Bonjour à tous. Alors, nous sommes jeudi, mercredi. Je crois que c'est mercredi. J'ai reçu mon colis d'Amazon. Hein. Vous savez, le. Attendez, j'essaie d'ouvrir. Le machin pour tuer les mouches. C'est super bien emballé. Donc, vous voyez, c'est grand comme ça, là. Je vous mettrai le lien du produit en barre d'infos. Hein. Mais moi, chez moi, alors quoi que là, on a pas mal de mouches. Hein. Mais aujourd'hui, il faut encore un temps vraiment. Il fait froid. Moi, si je m'écoutais, j'allumerais le chauffage. Parce que franchement, j'ai pas chaud. Donc, ça se présente comme ça. Voilà, c'est une machine comme ça. Hein. Ouais, pour tuer. Je vais voir si ça marche. Pas très esthétique, c'est vrai. Mais j'espère que ça va être efficace. Alors, c'est quoi? Alors, il y a une petite chaîne. Ah oui, il y a une petite chaîne pour la suspendre. Hein, si on veut ouais, ça, c'est pas mal, ça. Il faut que je montre à mon mari pour essayer de faire ça correctement. Voilà, et puis voilà, ça se présente comme ça, tout simplement. Voilà, et ben écoutez, voilà pour mes petites commandes du moment, mes petits achats chez Action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se reverra dans une autre vidéo. Normalement, j'attends des produits de chez Shein. Là, j'ai toujours pas reçu de nouvelles et j'attends aussi une deuxième commande. J'attends trois commandes. Écoutez, ça a peut-être pris un peu de retard en ce moment là, à cause des vacances peut-être, je ne sais pas. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais plein de bisous. Et aujourd'hui, no make-up. Enfin, je me suis maquillée juste le teint. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmo à 14h. On verra ce qu'il va me dire. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous à plus tard. Moi, je voulais vous donner un petit retour par rapport à ce produit que j'ai acheté sur Amazon, là, pour tuer les mouches. Alors, ça tue les mouches. Vous voyez, il y en a deux qui se sont fait tuer. Mais par contre, on les entend. Hein. Quand elles meurent, en fait, ça fait comme une... ça éclate. Et Kira... Elle part en courant et c'est pas, enfin vraiment, on entend vraiment un gros bruit quoi, donc c'est pas très agréable. Je voulais vous prévenir, c'est pas génial parce que si ça fait ça toutes les 3 minutes, c'est pas agréable. Voilà, je voulais que vous le sachiez avant d'acheter ce produit. Voilà. Alors ma fille me dit à l'utiliser peut-être la nuit. Parce que comme ce sera la seule lumière la nuit, les mouches elles vont toutes aller dessus. Elles vont toutes aller dessus, ouais. Ouais, mais bon, même si ça fait quand même pas mal de bruit, hein, parce que si on entend ça, c'est pas agréable, quoi. Je voulais que vous le sachiez. Bon, ben voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Bisous.